Bonjour tout le monde, bonjour! Bienvenue dans la zone Jeux de Société et bienvenue dans ce quatrième et j'espère bien dernier épisode de Paléo. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait un épisode d'un jeu normal qui n'est pas style campagne pour un quatrième épisode, mais c'est sûr que j'aurais pu facilement probablement le terminer en plus court. Et bon, ben écoutez, petite rectification qui a probablement été faite par Martin du futur, mais j'ai retrouvé dans le cimetière un loup qu'il fallait que je mette là. Donc présentement j'ai 3 des 5 loups qui sont comme détruits. Et puis pour enlever cette carte là, mais qui ne me donne pas une fresque de plus. Donc la fresque doit se retrouver probablement cachée avec les cartes qui sont là. On va voir. Donc allons-y, hein? Je sais que ces cartes là, ce sont des cartes qui sont en lien avec le scénario. Fait qu'on va y aller, on va essayer de terminer ça en beauté. En espérant que... Bon, alors là, la grande chasseresse qui est là, et dont on a besoin pour aller chercher la carte numéro 3. Fait que, moi je pense qu'on va, on va aller la chercher, cette fameuse carte numéro 3. Mais est-ce que je suis capable de le faire seul? Non. Donc, il faut absolument que j'aille chercher de l'aide. Alors, on va aller chercher de l'aide. J'ai besoin de 2 lances, ce qui est fait. J'ai besoin de 2 outils, c'est fait. 2 yeux, pas de problème. Alors, je peux me défausser de cette carte-là pour aller chercher la carte numéro 3. Donc, spoiler alert. Mais là, si vous êtes rendu là, c'est parce que vous vous êtes habitué. Et on va aller justement chercher Darka. Alors, on attache cette carte à votre groupe, mais on a eu de l'entraide, mais je pense qu'on va le donner quand même à ce groupe-ci. Et on voit que dans la phase de nuit, je suis obligé de la nourrir. Darka qui va nous suivre, qui nous donne un icône de plus. Et à n'importe quel moment, je peux donc faire cette habileté-là pour aller chercher un personnage de plus, ce qui est quand même intéressant. Mais j'ai plus tant de ressources à perdre. Donc là, j'ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5 et j'ai besoin de 6 nourritures d'ici la fin, sinon ça ira pas bien. On a un loup. Ah non, ça doit être le chef de meute. On est capable. Si c'est ça, c'est ça. Faut bien les éliminer, ces foutus loups-là. Donc, on va aller sur le bord de la rivière pour aller combattre le loup. Je pense que ça doit être le chef de... En fait, c'est la meute de loups. Et là, la meute de loups, ce qui est assez ridicule, c'est que je peux pas du tout combattre la meute de loups. Et j'ai besoin d'avoir... non! Mais attends, c'est sûr qu'on peut faire de l'entraide. Donc, on peut s'entraider. Donc, on va s'entraider. Alors, c'est ce qui fait en sorte que la meute de loups, je me fais 3 dégâts. Et les 3 dégâts... Je suis sauvé par mon habit de chef qui est juste là. Je peux lui en donner 3 dégâts. Ah boy. Ok. Il faut que je me souvienne de ça. Ok. Très important. Très très important. Alors, là, je suis vraiment rendu que je veux affronter toutes les cartes rouges parce que j'ai l'impression que ces cartes-là, malgré que ces cartes-là peuvent être très importantes aussi. Alors, regardons ça ici. Alors, on a un étranger. Et on a le loup solitaire. Mais c'est le loup solitaire. C'est le loup solitaire. Le loup solitaire. J'ai pas de nourriture. Aucune foutue nourriture. Fait que je peux pas aller le chercher. Ah! Ouais. Celui-là non plus, l'étranger, je peux pas aller chercher non plus. Donc là, je suis un peu faite. D'une certaine façon. Je suis pas faite parce que c'est pas fini, là. Parce que ce que je peux faire... Ah, là, je suis un peu... Bon. Parce que... Ouais. Parce que là, j'ai deux dégâts. OK, le loup solitaire, on n'est pas capable, malheureusement, d'éliminer. OK, donc ce qui me donne 2 dégâts. Mais là, l'habit de chef, ce que je me pose comme question, par rapport à l'habit de chef. Là, je ne sais pas si je vais être capable d'aller chercher des informations. Oui. Vous avez décidé si vous infligez un personnage ou l'habit de chef. Vous ne pouvez pas les répartir entre les deux. Comme pour les personnages, les blessures surnuméraires attribuées aux habits de chef sont ignorées. OK. Donc, ce qui fait en sorte que ce que je vais faire, c'est que je vais donner 2 dégâts à l'habit de chef. L'habit de chef, donc c'est 2 dégâts à lui. Alors, j'attribue pas le restant des dégâts. Et lui, il s'en va simplement là. Donc, on a perdu l'habit de chef. Et le loup retourne là. Bon. Puis ça, ben, j'ai pas de nourriture. Donc, en fait, j'ai presque plus de ressources présentement. On va aller faire un petit rêve. Et là, je suis un peu découragé parce que je ne sais pas comment faire pour faire le dernier. Le dernier qui me reste, on va essayer de se faire un petit peu de ressources d'ici à ce temps-là. Donc là, on a de la cime et on a un sanglier. Ah, le sanglier serait trop cool. Donc, en passant. Ah non, les autres, ils ont déjà les 3. Donc, c'est beau. Donc, le sanglier, on va tout s'occuper du sanglier au grand complet. Donc, on se défausse de 2 cartes. On a 1, 2 et 3. Donc, on a tout ce qu'il faut pour ce qui est des icônes. Et je me débarrasse de ça. Puis, je me donne 3 nourritures. 3 nourritures. Et également, une magnifique peaux qui sont toujours très intéressantes et qu'on a tout le temps besoin. OK, puis de l'autre côté, on va chercher la roche. Bon, on en a besoin de la roche, donc j'ai l'outil. On va se défaire de 2 cartes face cachée et on va aller chercher une belle petite roche. Bon, fait que c'est pas si mal pour ce qui est de ce tour-ci. OK. Alors, 1, 2, 3... On va toujours aller faire encore un petit tour sur la roche. Et là, ici, on va aller faire ça ici. Bon, peut-être qu'on regarde. Et là, c'est perdu. Je suis perdu. J'ai un œil et 2 pour pouvoir aller me chercher un rêve. Donc, je pense qu'on va le faire. Donc, j'ai l'œil et 2, donc 2 défaussés. Et je me mets un rêve que je me mets par-dessus mon deck. Lui s'en va là. Alors que le bouquetin, j'ai 1, 2. J'en ai pas assez. Donc, je peux pas. Donc, je vais l'ignorer. Parce que j'ai pas d'autres. Donc, OK. Allons-y, on continue notre périple vers le succès ou la défaite. Je me pose vraiment beaucoup de questions présentement sur est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait encore. C'est la question que je me pose. Bon, alors ici on a un dépôt de roche, alors que ici on a un arbuste à baies. Et l'arbuste à baies, c'est tout simple que de dire 1, 2, 3 cartes. 1, 2, 3 cartes. Et je me ramasse donc un bois, 2 nourritures. Donc on est quand même pas pire au niveau de la nourriture. Et ça, cette carte-là, ça va dans le cimetière. Alors que de l'autre côté, 2 cartes. Donc 2 cartes pour aller chercher une pierre. Hey, je vous dirais que ça s'en vient pas pire. Bon, là, ça, je l'affronte. OK. Attendez, avant, non, je pense que je vais affronter ça ici. Parce que ça, ce sont les cartes qui viennent avec un des modules. Donc là, jamais je croirais que il n'y en a pas un là-dedans qui va m'apporter peut-être une victoire. Arbre. Ah. Faiseurs d'outils. Mais là, les faiseurs d'outils, c'est comme l'artisanat en passant, hein? Les faiseurs d'outils. Fait que non. Ici, j'ai les 2. Je pourrais me défausser de 2 cartes pour aller me chercher 3 bois. Alors, on va le faire. 2 outils. 2 cartes. Je me fais 3 bois. 1, 2, 3. En voulez-vous du bois? En voulez-vous des ressources? Là, j'en manque pas. Puis celui-là, je vais l'ignorer. OK, là, ça, on a les baies curatives et on a la tanière de lion. Oh, mesdames et messieurs, la tanière de lion. Je pense qu'on y va. On y va. On va se faire de l'entraide. Faut que je lance 2 dés. Et là, je vous dirais que... Ok, donc ça va nous prendre une lance de plus. Et ça va nous prendre également... donc, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? Donc, on a besoin de 3 symboles. 1, 2... Non! Non, je ne l'ai pas! Non, 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 non! Non! J'ai 1, 2... J'ai pas d'autres symboles d'outils. Ah non, c'est pas vrai. Ah. Ah. On est si proche du but. Si proche. J'ai 1, 2, c'est tout. J'ai pas 3. Symbole. Alors, je suis pas capable de le faire. Je me prends 2 dégâts. Je vais m'en enlever 1 avec ça. Donc, un seul dégât qu'on va mettre sur l'éclaireur. On est toujours en vie. On est toujours en vie, mais... Ah! Ah! Non, mais c'était si proche. Bon. Alors, on va faire ça ici. Ça puis ça. Hein? Allons-y. Alors, d'un côté, nous avons... Oh! Étranger prudent. Vous avez la carte propulseur ou habit de chef. Oui! Et de l'autre côté, on a des voleurs. Hein? Ben, écoutez, on va s'occuper des voleurs en premier. On va faire où? Puis je dois me perdre de 1, 2... Puis on va se perdre de 3 bois. OK. Donc, les voleurs, c'est fait. Mais regardez ici. Alors, vous avez la carte propulseur ou habit de chef. Alors, j'ai le propulseur. Je dois me défausser de 2 cartes. 1, 2. Non! Oui, ça marche. Oh! 1, 2. Je me fais 1 dégât. Mais j'ai une peau qui me permet de ne pas me faire de dégâts. Et là, je me défais de cette carte-là. Je me fais un personnage supplémentaire qui est une inventrice. Voilà, mais c'est surtout, surtout que je vais me faire également le dernier, la dernière fresque. Et voilà, c'est la victoire! Victoire! Oh, ok, on a été chanceux. Hey, la journée s'achevait déjà. J'avais quand même beaucoup de ressources, là, mais pas encore de pièges. Disons qu'on a été chanceux de se rendre jusque-là. En tout cas, j'espère, parce que j'ai fait mes 3 épisodes, un après l'autre, sans faire de montage. Fait que je ne sais pas si j'ai fait une erreur qui aurait pu me coûter la partie, mais je pense pas. Je pense pas. Belle victoire, mesdames et messieurs. J'ai gagné ma partie de Paléo. Je suis très heureux, très content. Ouais, super le fun. Ouf, je suis quasiment essoufflé, là, je veux dire, c'est une partie qui était beaucoup plus longue que je pensais, et, mais je pense que j'ai réussi à, vous comprenez, on commence au début, c'est quand même assez difficile, on finit par avoir pas mal d'icônes, puis de réussir à s'en sortir quand même assez bien. Ben, merci beaucoup tout le monde, merci beaucoup. Est-ce que vous aimez le pâté chinois? Est-ce que vous savez ce qu'est le pâté chinois? Ben, parlez-moi-en dans la description de ce commentaire. Moi, je suis toujours très content quand vous me parlez d'aspects culinaires. Alors, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook ainsi que mon Instagram. Allez faire également un petit tour chez mon commanditaire, le Valet de Cœur, au www.levalet.com. Allez faire également un petit tour sur ma campagne Patreon si vous voulez me donner un petit coup de pouce. Dans la description de cette vidéo, il y a tous les endroits que vous pouvez cliquer là, pour vous rendre au bon endroit. Et d'ici la prochaine fois, bien amusez-vous avec vos jeux de société. Et nous, on va se revoir très bientôt.